Allez, go. Alors, garage M. Ok. Joachim Rosé. Non, je sais pas comment on dit d'ailleurs. Rosé. Rosé. Oh, ok. Ce serait pas un drapeau, ça, hein, la couleur. Rouge et vert. Aquitaine. Alors, c'est pas la Colombie, est-ce que c'est la Bolivie? Au départ, j'aurais dit la Bolivie, hein. Attendez, j'ai pas mis le truc sur Discord. Hop. Sinon, je vais oublier. Allez. Rien du tout. Alors attends. WhatsApp. D'accord, il y a un numéro avec... Je partirais bien sur la Bolivie, perso. Il vend sa Play 2 et 3. Oui, en plus. J'avoue. Aïe aïe aïe. Parce que moi j'ai lu complètement en diagonale, donc le mec il vend sa Play 2 et sa Play 3. En même temps, en Colombie. Ah, ouais. Non, moi je dirais Bolivie, hein. Je vais faire un petit tour des drapeaux des pays, mais... Brésil. Non, il n'y a pas de rouge dans le Brésil. Ou le Mexique, en fait. Ah, moi je dirais que c'est un drapeau, hein, c'est pour ça. Ah oui, ça s'affiche en haut à droite le drapeau. Je dirais bien Mexique en fait, finalement. Super Mercado. Super marché, Super Mercado. Vas-y, moi je pars pour Mexique finalement. Ça colle plus niveau couleur du drapeau. Ah. Dur. Ah bah non, au départ j'ai mis la Bolivie, donc j'étais plus près, mais au final j'ai pris Mexique, ouais. Parce que ça collait mieux niveau couleur, mais en fait ça n'a rien à voir. On est à Minas Gerais. C'est MG, je crois, en MG, ouais. Aïe aïe aïe, dur, hein. Voilà. Personne n'a réussi là. Ah, c'est vraiment dur, hein, sans bouger, hein. J'en ai eu tout à l'heure, hein. J'en ai eu quelques-uns, donc c'est faisable, mais faut bien piffer. Ouais, pareil, hein. Un petit don't move. Hop, voilà, je le mets sur Discord aussi. Hop. Let's go. Super Farm, Apteka. Pearl and Bear. Slow Age. Non, Age d'ailleurs. Oh. Qu'est-ce que c'est que cette langue?
Open Hook, ok. J'ai cru lire Copenhague au départ, donc... Ah oui, non. Non, non, non. Dosna... Oh là. Oh, Gdansk. Je connais. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Là. C'était la Pologne. Je savais que c'était une grosse ville. D'ailleurs, je sais pas c'est quoi la capitale de la Pologne. Alors, je vais prendre un autre onglet quand je fais des recherches sur internet parce que sinon, j'ai jamais. On sait jamais. On sait jamais sur quoi on peut tomber. C'est Varsovie, la capitale. Varso. En même temps, c'est celle qu'on voit de plus loin. Mais ça doit quand même être une grosse ville, Gdansk. Ok, donc Pologne. Ouais, là. Alors, il y a de... Franchement... Portugal ou l'Espagne? Peut-être l'Espagne. Quoique. Santoul. Oula, attends, non. Pasta e posizione di. Non, ça fait plus italien, ça. Partir sur l'Italie, finalement. Ristorante. Là. Ah, attends, qu'est-ce que c'est que ce truc? Pas de drapeau ou un truc comme ça mais... La Fenice. Ouais, non, non, ça fait plus italien que... Santulusu. Ouais, Anthony. Point IT, il y a un point IT, donc c'est l'Italie. Mais c'est bizarre ces espèces de palmiers là en plein milieu de l'Italie. Ouais, ouais, on est en Sardaigne. C'est ça, hein, c'est la Sardaigne ça. Que je vérifie que je raconte pas de conneries. Hein. Je confirme, c'est la Sardaigne. Je confirme. Donc on est en Sardaigne. Ah bah oui, j'avais pas vu, c'était marqué là. Sardaigne. Ok. Ouh. Oh, ouf. Ah, ok. Point UA. Point UA ? Ukraina ? Non, je vois pas trop ce que ça peut être d'autre. Point UA. Après, ça peut être un prank, hein. Mais je pense que ça doit être l'Ukraine. Je vérifie quand même un peu, hein, mais... De toute façon, je vois pas ce que ça pourrait trop être d'autre. Point UA, Ukrainia. Parce que UK s'est déjà pris en fait. Par United Kingdoms. Donc ça paraît peut-être logique. Ouais, vas-y, on va partir sur Ukraine. Et c'est bon. J'ai à trouver le suivant. Ça me fout la pression, hein. Ah. Bon. Ça devrait aller, hein. Bienvenue au Sénégal.
je confirme, c'est le bon drapeau. Allez, guess. C'est bel et bien le Sénégal, on était à Dakar. Next. Ah, les problèmes sont là. Ah, il y a un drapeau. Bouge comme ça? Est-ce que c'est vraiment un drapeau Oula, oulala. Au départ. Oulala. Essayer de regarder un peu aux marques de voiture. Parce qu'en fait, ce qui est marrant, il y a Isuzu et là on dirait genre une. Ah non, c'est Mazda, pas Mitsubishi. Je sais plus. Le truc en M. De toute façon, ça doit pas être ni l'un ni l'autre en fait. Je pense. C'est trop flou pour savoir. Vers ce drapeau. Est-ce qu'on serait pas quand même. C'est pas le Vietnam. On peut pas choisir Taïwan, étonnamment. Hong Kong, ça fait déjà partie de la Chine. Aïe, 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 aïe. Des prises de position sur ce... Ah, joli. Il y a quand même quelques prises de position là sur chez GeoGuessr. Hein. Je sais pas ce que c'est. Turquie? Pour le coup... T'as eu faux? Qu'est-ce que ça pourrait être? Les bananes? Non, c'est... Il y a le... Est-ce que ça fait vraiment turc, ça? Ces arbres-là? Je sais pas. Ce drapeau là, ça ressemble pas du tout à un croissant là. Franchement, j'ai un peu de mal à voir ce que ça pourrait être. Je connais pas les drapeaux assez bien pour. C'est pas le drapeau kirghize déjà. C'est chiant, on n'a aucune écriture, quoi. Celui d'après est pire. Oh merde. Déjà que celui-là, je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr, mais de toute façon, ça va pas être ça. D'accord, c'est Malte. Mais c'était pas du tout le drapeau de Malte qu'on voyait. On est d'accord que c'était pas le drapeau de Malte. J'ai complètement rêvé, quoi. Alors déjà, on voit rien, surtout. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? J'avais l'impression qu'on voyait un peu mieux tout à l'heure, mais... T'es jeté sur le Canada? Mais attends! C'est bien le drapeau de la Turquie, hein? Wesh. En fait, c'était Malte. Attends, je vais juste... Drapeau Malte. D'accord que ça n'a rien à voir. Conduite à droite, voiture européenne dans le sud, reste que Malte. Ouais. C'est vrai que j'ai pas regardé le côté de conduite. Je vais me remettre point de départ. Ouais, ouais, bah... Ah non, conduite à gauche.
C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de pays qui conduisent à gauche. Je t'ai déjà fait avoir plusieurs fois, mais je pense pas du tout à regarder le sens de circulation des voitures. Mais c'est vrai que c'est un gros indice là pour le coup. Mais franchement, le drapeau turc là, ils abusent un peu quoi. C'est un peu abusé quand même. Putain, mais j'ai encore eu une pause là sur mon retour. Attendez. Ah, attendez. Mon retour est en source peut-être. Ah, mais attends, j'ai pas les choix d'options. Sûrement le consulat. Ouais, non, mais quand même. C'est un peu chaud quoi. Mais ouais. Et donc, t'as trouvé le suivant? Non, tu l'as pas trouvé? Ah si, t'as trouvé le suivant. Non, enfin, t'as pas trouvé le suivant. Tu t'es mis en Roumanie et c'était Estonie. Dur, hein. Viuri, ouais. C'est vrai que c'est pas... Oh putain, puis en plus avec ça, là... Ça fait très... Je sais pas. J'ai un truc qui... Comment dire, un restaurant qui utilise un peu le même code couleur, un peu les mêmes formes, mais c'était genre un truc, un restaurant truc d'Afrique, africain quoi, truc africain. Je sais plus de quel pays pour le coup. Mais ouais, c'est vrai que c'est chaud. Hein, là. T'as vraiment zéro indice quoi. Yes. Bah GG quand même. Hein. Tu nous as battus. Gat qui a mis Colombie. Ah, dur. C'est quoi le drapeau de la Colombie? Quoique non, on n'a pas vu le drapeau en fait. C'est vrai. Je sais plus comment j'ai... Ouais, ça... Ah bah oui, il y avait un point IT. C'est vrai. Fallait le deviner en fait. Il n'était pas très très visible. C'est relou, j'ai pas les options de choix de qualité sur le stream en fait. C'est pour ça que mon retour il bug toutes les 30 secondes. Dur. Bon allez, je nous en refais un petit dernier en don't move et après on va repasser sur du France normal en 5 minutes quoi. Hop, allez-y. En fait, j'aime bien ce mode de jeu, trouver les pays. C'est plutôt pas mal, hein. Parce qu'en fait, ça te permet d'être moins précis tout en ayant quand même... en ayant un peu de difficulté, quoi. Parce que surtout quand tu es... Ça parle fou l'anglais. .co.uk, bon bah voilà. Hop. Parce qu'il y a certains pays où c'est quand même pas si simple que ça, surtout si là en fait on fait du don't move, on n'a pas forcément d'infos. Bon là ça va, c'est facile pour le coup. United Kingdom. Oula, Early Childhood and Kindergarten Program. Ça parle anglais. Oula. Ça sent surtout les gros coups durs. Oulala, oulala. Est-ce que ce serait un truc du genre... C'est quoi les drapeaux de ces trucs-là? Je sais pas. Est-ce que ça fait vraiment Afrique du Sud?
S'ils ont des grands trucs comme ça, ça parle anglais, je crois. Putain, c'est chiant de pas pouvoir lire ce truc. J'essaye de me mettre de tourner la tête, des fois peut-être que ça me... Truc des Jeux Olympiques. Fleur comme ça, ça fait un peu Indonésie en fait. Hein. Genre. Allô? Malaisie peut-être? Non, je sais plus où. Brunei? Je sais plus où il y a une fleur comme ça sur. Bon, je vais quand même rester sur Afrique du Sud parce que. Quoique non, ça fait pas très Afrique du Sud ça. En vrai. Où est-ce qu'ils parlent anglais? Cambodge. T'as fait une Orion? T'as changé au dernier moment, c'est ça? Tu t'es fait avoir? Oh, je pense pas que ce soit Afrique du Sud finalement. D'ailleurs, côté de conduite, ça conduit à gauche en effet, mais je sais pas qui conduit à gauche. Il y a le Japon. Je connais pas les conduites à gauche. Non, je vais rester sur Malaisie, hein, en vrai. Putain, Indonésie. Je l'avais dit en plus, hein, que l'étoile. Australie, les lignes sont jaunes, ouais. Putain. Je vais juste vérifier, mais il me semble que Indonésie, il y a une espèce de d'étoile comme ça. L'étoile que j'ai vue tout à l'heure là. Bon, voilà, il met des étoiles de mer évidemment. Mais attends, je vous montre ce que je veux dire. Ce truc là là. Cette espèce d'étoile comme ça. Je sais pas si on voit bien, mais on dirait vraiment. Moi, c'était genre Indonésie, enfin Malaisie, genre truc là. Et on était encore à Jakarta? Eh ben, dis donc. Une dernière comme ça? Attends, je vais juste regarder, si tu veux, mais je regarde juste. Le suivant, c'était Argentina. Non, Colombia. Et t'as choisi Argentine. Ah ouais, dur. Là ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'infos. Tu sais que c'est genre un pays d'Amérique du Sud, mais dur. Ouais, dur, dur, dur. Bon allez, une dernière comme ça et on repasse un peu en France. Parce que moi je suis un peu plus fort en France, hein, quand même. Oui, oui, non, non, mais vas-y. De toute façon, c'est pas très long parce qu'on perd assez rapidement. Donc, ça va. Mais après, ouais, on va repasser en France. Hop. J'avais mis l'autre, ouais. Allez, go. Main electrical switchboard. C'est marqué full anglais. Ça fait un peu États-Unis, oh, surtout avec la caméra qui bug.
Vas-y, moi j'ai envie de dire États-Unis, hein, mais. Quoique ça peut très bien être Canada. Autant on n'a pas énormément plus d'infos. Mais des caméras dégueulasses? Souvent c'est États-Unis, hein, parce que là la résolution elle est dégueulasse. Et surtout là ça bug les couleurs. Il y a États-Unis moi. Australie. Ah bah non, pas encore. Dur. apparemment, il y a quelqu'un qui l'avait trouvé là. Attends. Ah oui, non, mais je peux plus voir. Il y a quelqu'un qui l'avait trouvé, je crois. Flo. J'ai cru voir. Parce qu'il y avait marqué quelqu'un est en avance. Si j'ai bien lu. Ouais, voilà. Flo, il avait trouvé. L'Australie. Mais en vrai, qu'est-ce qui peut te faire deviner l'Australie là? C'est vraiment coin flip, hein. Y a pas vraiment de. Ouais. Five Dog Physio. Ouais. Peut-être. Ouais, non, je sais pas si. Même si les panneaux jaunes, il y en a aussi. Hein. Road Lane. Je sais pas. Franchement, je sais pas comment t'aurais pu deviner, enfin, comment tu peux vraiment deviner.